Miss Walker? Miss Walker? Ah, vous voilà. Pardonnez-moi, Frau Wagner. J'essayais de déchiffrer ça. Est-ce que tout va bien? Je vous ai déniché ça. Cela vous aidera à trouver cette boutique Müller dont vous m'avez parlé. Merci, Frau Wagner. Merci beaucoup. Mais de rien, très cher. Je serai à la réception s'il vous faut quoi que ce soit. Il doit bien y avoir 3 ans de mails non lus là-dedans. Je ferais mieux de faire un peu de ménage. Ah, voilà qui est mieux. Maintenant, je comprends pourquoi ils appellent ce coin le quartier des fleurs. C'est très calme ici. Je n'ai croisé aucun hôte depuis mon arrivée hier. Et cela me convient très bien. Bon, je devrais essayer de trouver des boutiques portant le nom de Müller et susceptibles de vendre des fournitures d'art. Pourquoi pas cette boutique? L'un de mes choix me pose problème. Je devrais le modifier. Ces 3 choix devraient constituer une bonne base de travail.
Voyons si je peux en éliminer certains à l'aide de la carte. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Pour localiser les boutiques qui m'intéressent, je vais devoir obtenir des infos dans l'annuaire. L'ordinateur retourne bien trop de résultats. Je ferais mieux d'utiliser les documents que Frau Wagner m'a apportés. J'aurais tant aimé que tu puisses être à mes côtés en ce moment, Katyusha. Nous aurions retrouvé la boutique ensemble.
Oh mon Dieu, maman a été enterrée il y a des mois. Bonjour, très cher. Alors, Miss Walker, mes documents vous ont-ils été utiles? À vrai dire, je n'ai pas eu le temps de les regarder. Mais merci de me les avoir dénichés. Je suis sûre qu'ils m'aideront beaucoup. Bien. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ma quête est étroitement liée à la région de Wagen. Pourriez-vous me parler un peu de son histoire? Avec grand plaisir. J'ai découvert l'existence de la femme que je cherche grâce à un portrait probablement volé par l'ombre brune pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça ne me surprend pas. Wagen, et par extension tout l'Ostertal, fut annexé et occupé par les fascistes juste avant la guerre. Ils ont saccagé, volé, pillé tout ce qu'ils ont pu. Comme ils l'ont fait à travers toute l'Europe occupée. La femme que je recherche devait avoir 18 ou 19 ans en 1937. S'agit-il d'une date importante dans l'histoire de Wagen? Non, pas que je sache. Mais je ne suis pas historienne. Et je n'étais même pas née. Tout ce que je sais, c'est que les ennuis ont commencé ensuite, avec la Seconde Guerre mondiale. Cette année a dû connaître un boom de l'idéologie fasciste. L'ombre brune n'étant alors qu'un parti cherchant le pouvoir en prêchant la haine. Me permettez-vous de vous poser quelques questions à propos de votre pension, Frau Wagner? Oh, avec grand plaisir. Qu'aimeriez-vous savoir? J'aimerais en apprendre un peu plus sur vous, Frau Wagner. Oh, il n'y a pas grand-chose à dire, vous savez. Rien qui soit susceptible de changer le cours de l'histoire. Je suis certaine que vous avez dû avoir une vie bien remplie. Eh bien, je suis née à Wagen, juste après la guerre. Et je n'en suis jamais partie. J'ai ouvert cette pension que j'ai tenue avec mon mari jusqu'à sa mort il y a quelques années. Vous m'en voyez désolée. Vous voyez, rien de bien folichon. Nous n'avons jamais été d'un naturel très aventureux. Mais ça ne nous a pas empêchés d'être heureux. C'est plutôt calme aujourd'hui. Oh, il n'y a jamais beaucoup de clients à cette époque de l'année. D'ailleurs, c'est une de vos hôtes? Oh oui. Elle est arrivée un peu plus tôt. Une dame anglaise fort âgée. Ancienne officière militaire, à ce que j'ai compris. Elle semble être là pour une affaire assez déplaisante, un enterrement ou quelque chose comme ça. Oh. Oui, Miss Walker. Et elle n'a pas lâché le téléphone depuis son arrivée. La chambre est absolument parfaite, merci beaucoup. Inutile de me remercier, Miss Walker. C'est mon travail de m'assurer du confort de mes hôtes. Et ce n'est pas souvent que débarque en pleine nuit une jeune américaine à moto qui cherche à retrouver une mystérieuse boutique. Oh, j'ai l'impression d'être dans un roman policier.
J'aurais quelques questions à propos de Wagon. Heureusement. Si vous m'aviez interrogé à propos de la dernière découverte scientifique, j'aurais séché. Mais si c'est à propos de Wagon, vous avez sonné à la bonne porte. Que pouvez-vous me dire à propos du quartier ? Eh bien, c'est l'un des plus vieux quartiers de Wagon. Un quartier plutôt ouvrier. Moi et quelques autres reliques qui vivons ici essayons de le préserver de la modernisation et du tourisme de masse. D'autres quartiers n'ont pas été aussi avisés et leurs habitants s'en sont vus chassés par l'augmentation des loyers. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment eu le temps de me renseigner à propos de Wagon et de ses environs. Qu'y a-t-il à savoir ? D'une, Wagon est très ancienne. Elle est réputée pour son charme et sa culture. Quant aux environs, ils attirent surtout les amateurs de montagne, vu la proximité des Alpes suisses. Les bords du Dombre, le plus long fleuve du pays, font la joie de tous les estivants. Rien d'autre ne me vient à l'esprit pour le moment. Merci pour tout. Ma foi, repassez donc me voir si jamais vous avez d'autres questions. Hans, d'après ce prospectus, il est passé par Wagon au cours de l'un de ses voyages.
J'espère que tout sera aussi calme lorsque je rentrerai. J'aimerais bien passer un peu de temps toute seule au coin de la cheminée. Espérons que ça marche encore. Wagen est entouré par les Alpes. La Suisse se trouve juste de l'autre côté. Je comprends mieux pourquoi les habitants de Wagen ont surnommé leur ville le cœur de l'Europe. Elle est littéralement en son centre. Là, c'est l'Allemagne. Je me demande si l'université de Barockstadt est dans le coin. Ce n'est pas ma chambre. Je ferais mieux de ne pas y entrer. Je crois que c'est la chambre de Frau Wagner. Les maigres économies que j'ai réussi à faire depuis mon évasion de la mine. Le groupe punk de Katyusha. J'aurais adoré les voir sur scène. Voilà pour le portrait. Je n'ai plus qu'à localiser la boutique où je dois l'emmener. Je devrais utiliser l'annuaire et la carte que m'a laissée Frau Wagner dans le salon. Cosy. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas pu profiter d'un tel confort. La chambre n'est peut-être pas aussi sympa qu'une yourte Yukol, mais elle est clairement plus spacieuse. Ça fait bizarre d'être ici, à Wagen, après avoir passé des mois à errer d'est en ouest à moto, après avoir accepté des petits boulots ici et là pour gagner assez d'argent pour financer ce voyage et me permettre de rester dans cette pension pendant quelque temps. J'ai eu de la chance que Frau Wagner m'accepte en dépit de mon apparence lorsque je suis arrivée, avec mes maigres moyens. L'époque où Marson et Lormont payaient mes dépenses de voyage me semble bien loin à présent. On dirait que ces souvenirs appartiennent à quelqu'un d'autre, qu'ils s'estompent avec le temps. Il faut croire que j'ai changé. Depuis la mort de maman et de Katyusha, poursuivre mon hypothétique sosie du portrait s'est avéré si tentant. Réconfortant même. De toute façon, j'ai promis à Katyusha de retrouver cette fille.
Je suis sur la bonne voie. Il reste juste un truc qui cloche avec l'un de mes choix. Je devrais me limiter à 3 choix. Vérifier plus de lieux me prendrait trop de temps. Bon, ces 3 boutiques sont les plus susceptibles d'avoir vendu l'étui à tableau. Il ne me reste plus qu'à trouver la bonne. La boutique d'antiquité de l'annuaire est située dans ce quartier. Il semble débordé de boutiques du même genre. Le quartier a apparemment beaucoup changé depuis la sortie de l'annuaire. Le prêteur sur gage que j'avais trouvé semble avoir fermé. Une zone industrielle. Difficile d'imaginer qu'une boutique de fourniture d'art ait pu prospérer ici. La boutique que j'ai trouvée dans l'annuaire doit être une quincaillerie ou un truc dans le genre. Cela ne fait aucun doute. Cette boutique d'antiquité est ma meilleure chance. Je ferai mieux de noter cette adresse. Je devrais vraiment aller montrer le portrait à l'antiquaire. Frau Wagner pourra sans doute me dire comment me rendre à sa boutique. Vous permettez, je suis au beau milieu d'un appel. Cela ne rime à rien de tambouriner sur cette fichue porte. Je suis au téléphone. Vous voyez bien que la cabine est occupée. Attendez donc votre tour. Oui, oui, je suis arrivée saine et sauve. J'espère pouvoir procéder à l'identification une fois l'extraction effectuée. Quoi ? Quoi ? Je ne peux pas raccrocher ? Bon, très bien. Je vais attendre. Mais s'il vous plaît, essayez de faire vite. C'est une sale affaire, si vous voulez mon avis. Miss Ulker, vraiment. Pardonnez-moi, mais ce ne sont pas des manières. Je ne peux tout de même pas vous laisser espionner les hôtes de mon établissement. Excusez-moi, mais ce... N'allez pas imaginer que j'étais en train de... Et voilà. Je n'ai plus qu'à apporter ce portrait chez l'antiquaire que j'ai localisé tout à l'heure. Frau Wagner devrait pouvoir me dire comment m'y rendre.
Oh, maman. Bonne journée à vous, Miss Walker. Pension du Dombre. D'après ce que j'ai pu lire, le Dombre est le plus long fleuve de l'Ostertal, et il traverse Wagen. Dommage que les rues de Wagen soient presque entièrement piétonnes. Après tous ces mois sur la route, j'ai fini par m'attacher à cette vieille bécane. Ce quartier est vraiment magnifique. Ah, voilà le fameux tramway de Wagen.
Regardons un peu la carte pour savoir quelle ligne emprunter pour rejoindre le quartier des antiquaires. Il y a un plan de tramway au bout de la rue, près de l'arrêt. Il devrait m'indiquer comment me rendre dans le quartier des antiquaires. D'après ce que m'a dit Frau Wagner peu après mon arrivée, c'était autrefois un quartier ouvrier. Aujourd'hui, je parie que ces vieilles bicoques s'arrachent à prix d'or, comme à Brooklyn. Il doit s'agir du jardin botanique. Dommage qu'il soit fermé. Eh ben, cette pension et son quartier sont clairement les coins les plus chouettes qu'il m'ait été donné de voir depuis... Pouf, un bail. Mais je devrais aller prendre le tram à présent. Y a-t-il autre chose, Miss Walker? Apparemment, la boutique que je cherche serait située dans le quartier des antiquaires de Wagen. Pourriez-vous m'indiquer comment m'y rendre d'ici? Le plus simple serait de prendre le tramway. Le centre-ville est presque entièrement piéton. Votre moto ne vous servira à rien. L'arrêt de tramway le plus proche est en haut de l'escalier, juste à droite, en sortant de la pension. Rien d'autre ne me vient à l'esprit pour le moment. Merci pour tout. Ma foi, repassez donc me voir si jamais vous avez d'autres questions.